Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du grand sujet qui passionne beaucoup de monde, je crois, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. C'est comment est-ce que je vais faire les courses de manière un peu zen avec mes enfants? Comment faire pour que ça ne soit pas l'horreur pour tout le monde? Alors, déjà, moi, j'aime bien, si je dois faire les courses le week-end, effectivement, j'aime bien emmener un ou deux enfants. C'est aussi un moment de passer un petit moment privilégié, juste entre nous. J'emmène jamais toute la fratrie, hein. Trois ou quatre enfants, franchement, j'essaie vraiment d'éviter parce que là, c'est difficile à gérer. Mais un, max, deux enfants, ça le fait bien. Alors déjà, quand on sort de la voiture, je les regarde bien dans les yeux et je leur brief, voilà. Aujourd'hui, dans ce magasin, on est venu pour acheter je sais pas quoi. On va pas acheter 15 000 bonbons et des jouets et des trucs et des machins. Par contre, je te laisserai choisir des trucs qui, toi, je sais, ça te fait plaisir. Voilà. En rentrant le magasin, moi, en général, je les ai investis d'une mission. Donc, voilà, aujourd'hui, j'étais faire les courses de fruits et légumes avec deux de mes filles. Alors, ma grande, elle poussait le caddie. Donc elle était super contente, bon, faut un peu être derrière parce que elle risque de rentrer dans les gens, etc. Mais n'empêche que ça marche plutôt bien. Ensuite, dans les rayons, en fait, je les implique. C'est-à-dire, je leur demande en fait de m'aider. Ma grande, par exemple, elle sait lire. Donc je dis, voilà, regarde sur ma liste, il y a marqué, je sais pas, concombre, yaourt ou peu importe. Est-ce que, en étant ce rayon-là, est-ce que tu peux aller les chercher pour moi pendant que moi, je prends autre chose? Alors, ouais. Elle est super investie dans sa mission, elle est super contente. Elle va chercher le produit que je lui demande de chercher. Elle le ramène, elle fait vraiment attention. Pareil, la plus petite, elle ne sait pas lire. Donc du coup, je lui dis, bah voilà, nous, il faut qu'on choisisse, peu importe tes salades. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a des fruits dans ce rayon qui te feraient plaisir? Par exemple, alors on peut, elle me dit, oui, moi j'adorais qu'on achète des abricots. Pas de souci, on achète des abricots. Tu m'aides à les choisir. Le fait de les occuper tout le temps, ils répondent moins aux stimuli du magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un magasin, vous le voyez avec vous-même, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a plein de couleurs. Le packaging, ça marche super bien aussi sur les enfants, donc ils ont envie de tout acheter. Et donc leur cerveau, en fait, est stimulé, surstimulé, je dirais, en permanence dans un magasin. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de les canaliser sur une seule mission à la fois. Pour qu'ils puissent filtrer un petit peu tout cet environnement-là. Vous le voyez avec vous-même aussi, quand vous avez fait des très grandes courses, et bah, vous êtes fatigué quand vous sortez. Voilà. Donc ça, j'essaye de vraiment de les occuper au maximum. Après, honnêtement, je vous dirais, j'essaye quand même de faire des très très grandes courses sans les enfants parce que c'est très long. Et à un moment donné, ils ont du mal. Donc, des trucs vraiment ponctuels. Oui, je t'emmène acheter les fruits et légumes, c'est nickel. On fait ça. Moi, pour les très grandes courses, par exemple, je fais un drive. Donc, aujourd'hui, on a combiné le drive et les fruits et légumes. C'était nickel. On a mis une heure. Et les filles étaient adorables parce qu'elles se sentaient impliquées. Voilà. Une fois arrivées à la caisse, elles ont été adorables. Alors, je dis, voilà, maintenant, si vous voulez, vous choisissez un truc qui vous fait plaisir comme ça. Voilà. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais vraiment, astuce numéro une pour des courses zen avec des enfants, c'est de les occuper. Voilà, vous me direz si ça a marché pour vous. Et si vous aimez bien mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt les parents!